On est là. On est là, mais on est là. Je vais y aller. Ah, on est là. On est là. On est là. Et qu'on va vous plaît. Ok, mais on m'a dit à vous, les élèves, à Thierry. Merci beaucoup de bonheur. Merci ma famille. Merci de votre bonheur. On va faire le maximum de travail. Les parents d'élèves. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci.
Ok, donc applaudissez pour les élèves du CIP. Merci, ça va. Voilà. Donc, il y a des drapeaux de chanson Sénégal, chanson Sibon. Il y a une bête de mourir. On peut le parler et les lignes. Les lignes. Je vous jure. Je vous remercie. 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 Voici mon sang paré. C'est bon. 1, 2, 3. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis merci. Merci. Ok, on y va. Dis. La vie est à la tour. Après, la tour. Nous avons dit que 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 nous avons d
le présentant du maire, Mme Okaïdaloudouk, donc le Defnian, il paraît bien tiré le Defnian, il se relève à faire des problèmes du Parlement. Donc ici, il faut aller. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, sans demander la présence et l'assistance de Dieu. Tous, autant que nous sommes ici présents, nous sommes des croyants. Alors nous demandons au Seigneur, à travers notre Père et le jour de sa vie, sa présence et la réussite de cet événement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous sommes dans une école Notre-Dame, et aujourd'hui c'est samedi, dédié à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant bénisse notre jeûne et notre assemblée, tu te rebailles nous. À ton Dieu, à très vite la vie. Amen. Bonne journée à tout le monde. Merci, Dieu. À l'entame de mes propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être encore là pour célébrer cette 19e édition de la distribution des prix et d'avoir aussi une pensée pieuse pour nos défunts collaborateurs. Je veux nommer le feu Père Pichonna, fondateur de cette école, Sœur Paulette Bois, ancienne directrice, et Pierre Moussa Sarr, enseignant. Chères autorités, chers invités, c'est avec un immense plaisir que toute la communauté éducative, par ma voix, vous souhaite la bienvenue et vous accueille avec joie et considération. Si vous êtes aujourd'hui là, c'est pour nous prouver l'intérêt que vous accordez à l'éducation et à la formation des jeunes en devenir pour une réussite avec une conscience citoyenne au service de leurs frères du pays. C'est dans cette lancée que l'école Notre-Dame, à l'instar de toutes les écoles catholiques, a pour mission de former les jeunes par un enseignement de qualité, développer des compétences chez les apprenants, éduquer aux valeurs universelles en partenariat avec l'État, les familles, les communautés de base et en solidarité avec les plus démunis. C'est dans ce sens que nous tenons ces journées d'excellence avec comme objectif d'amener les élèves à être artisans de leur formation personnelle et des modèles de réussite de quelques personnalités tel que le parrain du jour, M. Alpha Alain Sy, un ancien élève, coordinateur de Andy de Farguenguenel.
Monsieur, votre disponibilité connue de tous à travailler pour le développement de tout un chacun vous a conduit à accepter de parrainer cette cérémonie en guise de reconnaissance pour l'école qui a guidé ses premiers pas. Nous vous exprimons toute notre gratitude. Le chemin de la réussite est plein d'embûches, mais vous avez pu tirer votre épingle du jeu en vous armant de courage et de persévérance, comme le montre votre riche CV. Que le Tout-Puissant vous accompagne tout au long de votre carrière. L'occasion m'est offerte pour remercier au passage les parrains, marraines, présidents et présidentes d'honneur des différentes éditions. Madame Gueye Awa Traoré et Mamadou Diouf qui nous ont soutenus lors de la soirée Ngoyane. Nos remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le Préfet pour sa disponibilité et son ouverture à nos sollicitations pour ce qui contribue à la bonne marche de l'école. À Madame le député maire et ses collaborateurs pour les services rendus. Notre reconnaissance aux inspecteurs de l'éducation et de la formation et leur encadrement pédagogique qui nous ont permis de garder le cap de l'excellence et de rester fidèles à la dynamique éducative nationale. Aux chefs religieux, imams et prêtres, pour leurs prières si précieuses. Aux sœurs de la Sainte Famille, merci pour les services rendus. Aux chefs de service, les commandants de la gendarmerie, pour leur engagement à notre côté. À notre directeur de CV, Abbé Pascal Fer, qui ne ménage aucun effort pour la bonne marche de nos écoles catholiques. Aux chefs d'établissement et aux enseignants, toujours fidèles au rendez-vous, merci. À l'équipe pédagogique, au comité d'organisation pour la collaboration et le dévouement de la pour la cause des enfants. Aux parents d'élèves, pour votre mobilisation et votre confiance qui nous ont permis d'être à l'aise avec les enfants. Honorables invités, venus de près ou de loin, nous apportez votre soutien. Merci. En félicitant les primés de ce jour et en encourageant le gouvernement scolaire pour son assiduité dans la vie scolaire, je vous redis toute notre gratitude. Et que la fête soit belle. Merci de votre attention. Merci. À côté d'elle, il y a l'infatigable Sophie. Oui, c'est Sophie. Vous parlez là. Merci. Voilà, ouais, donc, le président du gouvernement scolaire. Le président du gouvernement scolaire. Je vous souhaiterais vous exprimer ma gratitude. Je suis très honoré de la confiance que vous m'avez faite. Et par ma voix, le gouvernement scolaire tient à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour que la fête se tienne. À la directrice de l'école et à l'équipe enseignante, la chaleur que vous m'avez apportée et la vision que vous avez pour cette école qui en fait le meilleur. Nous vous remercions. Vous vous donnez chaque jour le meilleur de vous-même pour le mieux-être de tous les élèves. Vous avez travaillé sans relâche pour s'assurer que toutes les choses importantes de l'école fonctionnent correctement. Nous vous souhaitons de l'inspiration, la patience et la force de créer.
Merci également à nos parents ici présents qui se sont sacrifiés pour nous. Nous avons bien notre bien-être et notre avenir demeure toujours vos préoccupations. Que tous les vœux et félicitations en l'honneur de la distribution des prix d'aujourd'hui soient pour vous, chers parents. J'aimerais finir par dire aux autorités présentes, votre présence ici traduit pour nous une préoccupation de l'épanouissement et l'avenir de l'enfant. Nous prions que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la santé, la paix, la force de bien mener notre mission. Je vous remercie. Ok, applaudissez pour le président. Si la joie,
Maja, on y va. Ça, c'est le chapitre de Moussa Etienne. Moussa Etienne John. Maja, on y va avec le chapitre de Moussa Etienne. Il va nous faire d'acheter une poésie, la poésie. Et tu vois là, on t'attend. Ok, applaudissez. Applaudissez bien. Oui, ils ont une récitation, les poèmes. Et le poème là est dédié à maman, à nous tous, à nos mamans. Ok, un grand merci. L'an passé sera ma famille. J'étais petit, mais à présent, je ne sais penser, ni écrit. Je tiens cette que je suis grand. Oh, applaudissez. Applaudissez pour les épées. Avec vous, c'est John. Ok, DJ. Ok, applaudissez. Allô. Voilà, merci de Dieu. Voilà, donc... pour fêter avec vous la fin d'année. Au nom de Madame le maire et de tout le conseil municipal, nous tenions à être présents pour vous apporter nos félicitations et nos encouragements. En effet, l'école Notre-Dame joue un rôle évidemment positif dans le système éducatif de notre commune, au vu des bons résultats que vous engrangez chaque année. Monsieur le parrain, recevez ici les félicitations de Madame le maire et du conseil municipal. Par ce geste de reconnaissance envers cette école qui vous a tout donné, vous avez montré votre grandeur d'âme. Vous avez montré que vous êtes un leader. À vous tous qui êtes là aujourd'hui, le conseil municipal et Madame le maire, vous dis merci et vous souhaite une bonne fête. Merci, monsieur le maire. Donc, nous sommes déjà tous. Je le dis à vous. Merci encore une fois. Comme nous avons fait l'école, nous vraiment que la mairie de Guinguenew a fait un travail vraiment remarquable au niveau des écoles. Et là, nous avons. Chers les autorités religieuses, madame la directrice de l'école Notre-Dame, madame et messieurs les représentants du parrain, messieurs les parents d'élèves, messieurs et madame les enseignants, chers élèves, j'ai l'honneur aujourd'hui de représenter monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guinguenew, mais également j'ai l'honneur, par cette même occasion, de représenter monsieur le préfet du département de Guinguenew, qui nous a instruit d'être là aujourd'hui pour participer à cette belle fête. C'est avec également une grande fierté que je suis là au niveau de l'école Notre-Dame, une école reconnue par ses performances scolaires, disons tout simplement une école de référence. Et quand on dit une école de référence, le plus souvent ce que nous avons, ce sont les résultats au CFE et à l'entrée en sixième. Je pense que depuis que je suis là, et bien avant cela, c'est une école qui s'illustre de par ses résultats. Et par rapport à cela, Madame la Directrice,
soit les en remercier, mais aussi vous avez les félicitations et les encouragements de toutes les autorités au niveau du département de Ngueniéw. Et j'ai l'habitude de dire que s'il y a des résultats au CFE, souvent nous avons une vision photographique de ces résultats. On ne voit que la classe de CM2. Mais on sait que c'est un travail, c'est un long processus, c'est un travail de construction de plusieurs années qui a abouti à ces résultats. Et cela en est ainsi, c'est parce que au niveau de l'école, nous avons des enseignants et des enseignants qualifiés, engagés et sérieux dans le travail, mais aussi nous avons une directrice d'école qui est à la tête de ce travail. Parce que si nous interrogeons ce qu'on appelle les organisations scolaires, la sociologie de l'organisation scolaire, il y a ce qu'on appelle l'effet chef d'établissement. Ça veut dire que pour qu'une école puisse réussir aujourd'hui, il faut qu'il y ait un chef d'établissement qui est à la hauteur, qui est un leader, il faut une équipe pédagogique, mais aussi il faut l'implication de la communauté. Et j'en profite pour remercier et reconnaître les efforts que les autorités municipales, que les parents d'élèves sont en train de faire pour la réussite de l'école au niveau de Ngueniéw. Parce que pour une école puisse réussir, et là nous trouvons ça dans la lettre de politique générale secteur éducation et formation, on parle bien là-bas de l'école de la communauté, dans la communauté, pour la communauté et par la communauté. Et l'école qui peut réussir aujourd'hui les défis, c'est une école qui mobilise les forces. C'est une école qui bénéficie d'une base communautaire très large. Et là, je pense que nous l'avons au niveau de Ngueniéw, nous l'avons ici au niveau de Notre-Dame. Je ne peux pas terminer sans pour autant, parce qu'à chaque fois que ces occasions se présentent, depuis le début de l'année, Monsieur le Préfet nous demande de saisir l'occasion pour parler d'un thème d'actualité, mais d'un thème extrêmement important, à savoir l'éducation aux valeurs. Nous l'avons senti depuis ce matin, depuis la levée des couleurs, à travers les discours que nous avons entendus, le discours de Madame la Directrice, nous avons senti que l'éducation aux valeurs est une réalité ici. Et si Monsieur le Préfet nous demande de parler de ça, cela ne peut être qu'une fierté pour nous, parce que nous savons que une des cinq priorités du ministère de l'Éducation nationale, c'est la systématisation de l'éducation aux valeurs, gage de paix. Parce que l'éducation de valeurs, aux valeurs, c'est ça qui permet de préparer la société de demain. L'école que nous avons, ou bien toutes les écoles, quelle que soit-elle, constitue le lieu où on fabrique la société de demain. Ce que nous voulons avoir demain comme société, le travail se fait ici au niveau de l'école. Et par rapport à cela, nous devons très tôt cultiver ces valeurs à nos enfants. Ces valeurs, c'est quoi? C'est les valeurs de paix, c'est les valeurs de socialisation, c'est les valeurs de partage, c'est les valeurs de vivre ensemble, c'est les valeurs d'acceptation. C'est là extrêmement important. Et si nous convoquons nos programmes scolaires, les programmes que nous enseignons depuis l'élémentaire ou bien depuis le préscolaire jusqu'à l'université s'inspirent de ces valeurs sociales de référence à côté des savoirs savants. Par rapport à cela, donc, que les parents, les enseignants, qu'on se mette la main pour préparer ce sujet de demain. Cette fête que nous venons d'assister aujourd'hui est déjà belle et a réussi. Et nous vous remercions et nous vous félicitons de la mobilisation, mais aussi du défi qui a été relevé par rapport à la réussite. L'école a une vie. C'est une entreprise qui a une vie. École des dundes, des dés. L'idée de l'école, c'est ce qu'on a fait de l'école. L'école n'est pas le café. Enseigner mathématiques, enseigner géographie, enseigner séance. École des dundes. Ce qui fait vivre une école, l'état école dundu, c'est ces activités de ce genre. Le fait de fêter les élèves. À l'école, les enfants doivent s'épanouir. Ils doivent faire tout pour que les élèves se sentent mieux à l'aise, bien épanouir à l'école. Vous savez que les élèves, si ils viennent à l'école, ils doivent savoir, ils doivent contents. Donc, tant que les élèves sont corrects, quels que soient les résultats, ils doivent faire l'école pour qu'ils soient adaptés au contexte. Les enfants doivent être fêtés. Au niveau de l'école, les enfants doivent chanter, ils doivent danser, ils doivent jouer à côté des disciplines. C'est ça qui fait réussir une école. Donc, lolu, Madame la Directrice, je pense que c'est des disciplines qui ont fait tout ce emploi du temps. Souvent, nak, malheureusement, nous enseignants nous avons fait ce qu'on doit faire. Alors que l'islateur, c'est ce qu'on doit faire. Si on voit les enfants, Madame est absente, nous sommes contents. Les enfants ne veulent pas l'école, Monsieur est absente, nous sommes contents. Ce qui est la condition que nous avons créée dans l'école pour que les gens puissent être dans l'école.
lolou ku nek directeur d'école bu nek enseignant bu nek parent bu nek ko intégrer dañ fexé ba xalé yi di dem terre di jouer xalé yi di chanter xalé yi di danser xalé yi am contenté di dund ci biir école de lolou buñ ko amé rek à côté des résultats jam dina am climat social day am résultat day am xamna may goudal mais sur ces mots là vraiment que je voudrais terminer tout en réitérant les mots de remerciement les mots de félicitations de monsieur l'inspecteur de l'éducation et la formation mais également de monsieur le préfet du département de Nguéguinéw et je souhaite que la fête soit belle et je vous souhaite bonne continuation et bonne journée je vous remercie. François ñoy sama sëriñ ñu ngi fi tok gëram imam ratim ñewul waye monsieur Diop remplacer nako ma ngi gëram ñepp goor jigen mak ndaw dama anda ak sama rak mom moy wax man dama yuy wax ben touti rek école Notre Dame amna juroom ben fukki at yu tégal bu doxé be exi fi yalla ak yeen parents d'élèves élèves association parents d'élèves fecc bi bu nexé yeen parents yeena tay ci mbag yi ñun école parents d'élèves école Notre Dame enseignants yi dañu am contrat bu ñu signanté ak direction lan lañu signé moy résultat entrant 6e 100% CEP 100% mais fani xalé yi bétti ñu trophée je guessou ñu gagné ko département bi ci département ngeengi neew yépp Notre Dame mo gagné tacc leen xalé yi waaw goor dañ bëggoon na wax tuuti rek ngeen jappalé ñu parents yi fi bu ngeen fi indi seen doom du pour école rek mais dañ koy yar comme niko inspecteur waxé pour ñu yar xalé bi bu joggé fi fumu dem ci réew mi man fa jël tank fumu dem ci réew mi man fa jël responsabilité lool lañuy yaré suñu doom yi fi du seulement école enseignement bi mais yar len ci teggine ci yar ci honneur loola ta buma sañoon gën japp ñu japp école yu mëna jëm kanam gis ngeen de yeuf yi jafena yeuf yi metina waye buñu leen ñaané ngey yok ñaar deureum gën xamné manatuñu enseignant yi bokk nañ ci enseignant yi jël inspecteur wax nako fi légui kon jappalé len ñu assalamu alaykum. Merci Père Laurent. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Monsieur le représentant de l'IF, monsieur le représentant du maire, monsieur le curé, monsieur le représentant de l'APE communale, chers parrains de la cérémonie, madame la directrice, chers parents d'élèves, chers invités. C'est avec beaucoup de joie que je représente ici Madame la Présidente pour vous souhaiter à tous la bienvenue. L'activité qui nous rassemble aujourd'hui est une routine.
En effet, il est habituel chez nous, à chaque fin d'année, de fêter nos enfants et de remercier les encadreurs. Si nous pouvons réussir la fête de cette année, c'est grâce au soutien énorme de notre cher frère parrain Alpha Alain Sy, qui a eu à parrainer pour la deuxième fois dans des établissements différents pour cette année. Ceci montre la qualité du parrain. Sachez que M. Sy n'a ménagé aucun effort, qu'il trouve ici les remerciements des parrains d'élèves, des élèves et de leurs encadreurs. L'association des parents d'élèves a tout le long de l'année accompagné Madame la directrice dans sa quête de l'excellence. Ok, applaudissez. Ça c'est un poème de Mamadou Lamine. Je sais pas la fête, mon village est la fête, c'est mieux. On chante, on danse, on s'épanouit. J'ai venu à toi et je te donne. Viens partager ce grand bonheur. Quand on ressent tout la peine, quand le temps tue le tango, et que les visages s'illuminent, le sourire fait un tango. Mamadou Lamine, j'ai. Come on. Let's go. 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 Voilà, donc on est là, même bar à bar, tout le monde. Elle a fait une folle. Applaudissez, tout le monde, on y va. Vous voulez que la madame a gâteau? Waouh!
Pourquoi tant de haine
et tant de peine, pourquoi tant de guerre sur l'homme. Ok, applaudissez pour le CRO. Applaudissez pour le CRO. La position. 1, 2 et 3. Attends, applaudissez. Oui, ça c'est avec le camion. Conception de Guinguinéo. Lepp luñ fi wax rafetna té dalna xol dalna xel itam motax ñu nangu tok fi ba heure yi nangu bay suñu lepp ngir fin d'année suñu élèves andak sen jangalé kat ak ñepp nga xamné ay partenaire lañu ci biir département bi ak fenen cadeau yi lé cadeau gërem le gërëm autorité ou commune ou Guinguinéo autorité ou département ou Guinguinéo ñëpp ñu nga xamné téw nañ fi baawu ñu kenn ci sen tour ak sen sante mag ak ndaw ñu leen di gërëm au nom du père évêque monseigneur Martin Bougartine ak l'abbé Pascal Sen and ak étam suñu directrice Tata Agathe Diouf
lepp lu mu wax amna solo. École bi suñu école la. École bi école ñepp la. Ndax té luñu ut ngir lu rafet ci aduna ci le rawatina ngeedign ci Sénégal. L'excellence inspecteur waxnako itam l'éducation aux valeurs. Su manqué rek dara du bax. Su amé leppé jar yoon. Kon nak tanjel ben ba d'abord c'est à la maison. De la maison à l'école. De l'école à la maison. Ainsi de suite. Tout ce que nous faisons à l'école, si ce n'est pas renforcé à la maison, ça ne sert à rien. Et tout ce que nous ne faisons pas à la maison, ce sera très difficile de le faire à l'école. Alors, comme l'a dit, c'est un maillage, c'est une chaîne. Et on parle des résultats et notre école est presque à la tête. Et tout cela, c'est du CI jusqu'au CM2. Alors, nous disons un grand merci à l'équipe pédagogique. Nous disons un grand merci à tous les parents ici présents. Nous disons un grand merci à tous les partenaires. Un grand merci à monsieur le, à madame le maire, à monsieur le préfet, à toutes les différentes autorités du département de Guinguinéo. Les enfants sont fatigués et je suis sûr qu'ils ont faim et l'heure avance. Au nom de tous et de toutes, au nom de l'église de Kaolack, je nous dis merci. Merci pour votre aimable attention. Applaudissez pour les élèves du CM2. Je suis prête de vivre et je reste déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres, avoir confiance en mes capacités. Je sais que je suis. Je sais quelle est l'immensité de ma valeur. Je suis une femme qui pardonne. Je suis libre, audacieuse, entrepreneuriale et subie. Ma devise, douceur, humilité, sagesse, foi et persévérance. Je suis une combattante qui n'a pas d'esprit. Applaudissez pour le CM2. On applaudit. Attends, on va prendre un autre chant, ça c'était la poésie. Maintenant, on va prendre un chant. Dis-le, attends, on y va. À la belle volontaire, je me suis signé. Il y a longtemps que je t'ai moi jamais je trouvais. Il ne faut rien de ces mains, je me suis signé. Il y a longtemps que je t'ai mon cœur, je me suis signé. Ok, applaudissez pour le secteur, applaudissez ça. Sénégal, ma mère patrie, Sénégal, de mes aïeux, Sénégal, c'est toi que j'aime, au fort, au but, une fois, tel est ta devise, le lion et le baba, ce sont tes emblèmes, Sénégal, ma réou, Sénégal, y'a Moïdou, Sénégal, Souleymane, Sénégal, y'aura besoin. Ok, applaudissez. Oui, je prends un chant. Bonjour, monsieur Alpha Lensi. Applaudissez. Mais avant cela, je tiens encore à remercier monsieur Lier, qui est représenté ici par monsieur Ndaw. Inspecteur Ndaw. Le maire, Aziz Diop. Oui, oui. Le préfet aussi, toujours par monsieur Ndaw. Ok, grand et merci. Et au DMC aussi. Merci encore une fois, Dirigen Diop, Yann Yann Fay. Oui, oui. Et Tambagnay. Je vous remercie de ce Mam Awa Sow, Dirigen Diop. Voilà, donc. Je présente la délégation de Ramani. Nous sommes Alpha Alensi. Applaudissez pour le parrain. Alors, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là.
mu bok ci ay valeur yi nga xamné ni da naka soko amé man nga raw ci ma ko lolu alpha amna ko yalla nako yalla doli yalla nako yalla jaba taxawayam deugural ko bu bëgg yegg mu yegg fa ma sha Allah donc lolu nak lay wax gumtu la momo donc délégation bi aussi mu and ciek domu nayam je sais pas domu bayam xaritam soppem donc je peux tout dire mais Aliou Nsi ma bëgg ngeen tacc ko bu baaxa baax Aliou Nsi est là bien présent madame Aliou Nsi voilà ok applaudissez ñu gis ci aussi délégation bi Moutala Mendy di suma xarit ñu tacc bu baaxa baax Moutala Mendy il y a aussi Baba Fall mu téw fi vraiment diko honoré and ciek domou ndayam Maodo Gueye ak Tafa Diop kuma xam ko mom min bu baax am discipline ami mu téw ci mom aussi ci lolu ñe taw gone jaw and na ci délégation bi wa après gone jaw am na ko ci Mam Khadim Dollo am Khadim Dollo mom suma rakala di frère ci ami jaw ci de pense donc Mam Khadim jërëjëf jërëjëf dina tayé ci paté ali ci matu alfa ale ande do na tayalla ko yalla yagal ya ko ci parti ñu ñay parce que ñay ela bien présent ya ko ci Omar Tek nek directeur nek on tam ci sa ko ko ci bay waram ci école bi di def lu am solo do di def mo ñay la doon téré mo aussi ba ci aussi mo awu bi def ci l'école ba tay na do yepp téw nañ ak ñi déw yepp xam na ils sont empêchés ñi jajjatal donc su ko défé dañuy dugg mëno mo li lan leno CV Alpha Alain Sy lenen niki da koy mériter d'abord don ko ba paré nek exemple et je pense que lepp luñ ci bëgg wax rek monsieur Sy ni Alpha Alain mo ngi ci mom donc may jéglu encore une fois togay bi yag na ma li lan len CV Alpha Alain Sy ma wax élève yi aussi ngeen bay ci xel bu baaxa baax acha di ñaanal élève yi nga donc Alpha Alain Sy ñu xam ñu gën ko xam école na dul dal moy ci bi ci ja le paré ñu ne ko paré journée bi mom la ñuy waxal ñu teñu ses amis l'appellent Alpha Sy mais son vrai nom c'est Alpha Alain Sy Ousmane Alpha Ousmane Alain Sy alors il a 34 ans et il est sénégalais. C'est un grand financier. Il est spécialiste en commande publique. C'est un jeune, mais il est marié quand même. Alors, il habite Guinguenew, mais il sévit à Dakar pour plus de temps. Alors, on va parler de sa formation académique. En 2000, il a réussi au CFA ici à l'école Mission Catholique de Guinguenew. Donc mo ngi am certificat en l'année 2000. Bam fa jogé ñu tourné fa lay yam avec l'appui de ses parents ñu diko gungé mu dem Sem Khassim Mbacké bu Guinguenew. En 2004, il obtient le BAFEM ci Sem bi fofu au premier tour. Ñu tourné fa lay yam toujours avec l'appui de ses parents, de ses amis et de ses proches, parce que dañ xalé lu mu am parents ya dañ ci am walu reuy and ci ay ñi ko doon jangal mu dem en 2007 il réussit au baccalauréat en série SG2 à Jean de la Fontaine à Dakar. Donc il a réussi au bac en 2007. 2010, il obtient sa licence professionnelle en technique de comptabilité et de finance au Centre africain d'études supérieures en gestion. Parce que vraiment, je n'ai pas fait, mais je n'ai pas de mettre ce parce que c'est massif. Alors, pour le divers, ça a été long, mais c'est vraiment impressionnant. Pour le divers, Alpha Alain s'est joué au football. Je pense que moi, je l'ai vu jouer au football, c'était un grand footballeur. Et puis, il a été entraîneur de l'AS Guelouar pour quelques temps. Pour le basket, il sait faire quelques dribbles.
il aime voyager, il a une permis de conduire catégorie B. Donc vraiment, c'est important. C'est important. Nous t'accueillons le Bouba Khabar. Monsieur le représentant du préfet et de l'inspecteur d'académie, monsieur le représentant de madame le maire, monsieur le président de l'association des parents d'élèves de la commune de Guéguenéo, monsieur le président de l'association des parents d'élèves de l'école Notre-Dame, madame la directrice de l'école, monsieur le curé, représentant de toute la communauté diocésaine, chers parents d'élèves, chers invités, à vos rangs et grâces, chers élèves, aujourd'hui je me réjouis d'être là au nom de parrain de l'école Notre-Dame, mon frère cadet Alpha Ousmane Alainsi, qui aujourd'hui, malgré l'absence justifiée aujourd'hui, avait une volonté d'être présent parmi vous. Et ne le cesse depuis ce matin de m'envoyer des messages pour s'enquérir de la situation. On garde le silence, on écoute. Une manière pour lui de rendre hommage à l'école où il a fait ses pas. Entre l'école Notre-Dame, Alphacy et Guéguenéo, c'est une histoire, une grande histoire. Depuis tout petit, il a eu l'amour paternel de revenir à Guéguenéo, terre de ses aïeux, et surtout pour son homonyme, notre grand-père Alphacy. Il est venu à Notre-Dame à l'âge de 8 ans, à classe de CM. Il était en vacances, il a fait ses cours de vacances. À l'ouverture des classes, nous tous nous devions retourner parce qu'on était à Joal. Il a décidé de rester. Il a pleuré. On l'a amené à Joal, il est resté 2 jours sans manger. On est obligé de le faire revenir à Guéguenéo. Et vu ses notes, Madame Agathe avait proposé qu'il redouble la classe. Et il s'est mis à pleurer pour dire qu'il va faire aller directement à C1 et qu'il sera parmi les 5 premiers. Et par le soutien de notre feu et regretté Tonton Badoussi, avec M. Samou, ils ont trouvé nécessaire de le laisser faire la classe de C1. Et de là, il s'est attaché à Guéguenéo. Nous venions en vacances, mais lui, il était de Guéguenéo. Donc, il tient à l'école de Notre-Dame. Et nous vous félicitons aujourd'hui parce que dans une dynamique de construction d'une nation, l'école est sacrée et fondamentale pour la construction citoyenne car elle assure l'avenir de demain. Et vous êtes des portes étendards. Nous savons ce que c'est le rôle d'un enseignant parce que issu du côté maternel d'un grand-père inspecteur d'académie et d'une mère enseignante qui a tenu au moins pendant une quarantaine d'années, nous savons votre sacerdoce, votre mission et votre dévouement pour servir la bonne cause. Merci en tant qu'enseignant, merci à vos collègues enseignants qui sont ici à l'école et de manière générale à l'ensemble des enseignants qui sont ici présents et que l'ensemble des directeurs d'école qui sont ici présents peuvent nous servir de relais envers leurs collègues qui ne sont pas là. Merci pour tout parce que vous participez activement à la construction de la nation sénégalaise. En ces termes, j'aurais bien aimé, aujourd'hui, il m'est difficile de prendre la parole parce que je sais le ressenti qu'il a voulu être là. Je sais l'attachement qu'il a pour l'école, l'attachement qu'il a pour Mme Agathe et aussi que M. Sambou et les autres par qui il est passé. Il m'est difficile de pouvoir vous conter ses propos, sa pensée, mais sachez qu'il tient à vous remercier du fond du cœur autant que vous êtes. À l'association des parents d'élèves, il m'a chargé de vous dire qu'il s'engage avec vous dans des perspectives pour faire avancer l'école Notre-Dame, qui a été toujours une référence sur le plan éducationnel, mais aussi sur le plan de la formation. Donc, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus pour parler, faire un discours. Il fait chaud, les gens sont un peu fatigués, mais c'est le lieu de remercier toutes ces personnes avec qui je suis, avec qui il entretient des relations d'affection, de fraternité et de convivialité. Je peux parler de lui car c'est mon jeune frère, mon carré, le même père et même mère, mais il m'a mis dans l'assistance. Je suis venu avec des gens qui entretiennent avec lui des 3 relations. Je pense que c'est beaucoup. Il y a Moussa Radio qui est là, Maudo Gueye, Bassir Ndiaye, Moutchala Mendy, Baba Naya, Madame Djenne, Madame Ngom, Ami Djenne,
sa sœur Ngoné Diaw. Il y a aussi un remerciement envers M. Omar Seck du mouvement Ande Defal Guéguinéew. Parce qu'il partage un commun idéal pour la ville de Guéguinéew. Car si nous, nous avons cette volonté, cette abnégation de pouvoir contribuer à l'émancipation de notre ville qui est Guéguinéew, et dans ça, ils se sont engagés dans le mouvement Ande Defal Guéguinéew. Et nous faisons aussi l'un des pionniers du mouvement en l'occurrence chez Richeway, qui se bat toujours pour le développement de Guéguinéew. Donc en ces termes, je tenais à vous dire merci, Mme Ayad. Et sachez qu'il est de tout cœur, malgré qu'il n'est pas là, malgré la distance, il est de tout cœur avec vous. Ça, c'est juste une participation symbolique pour le compte de l'école. Et il a promis, dès son retour, parce qu'il est parti faire le cinquième pilier de l'islam, la pèlerinage de la Mecque, dès son retour, il va essayer de s'en tenir avec la situation des parents d'élèves pour voir les tenailles de l'homme afin de mener à bien votre mission. Donc, Mme Agathe, au nom de la délégation, au nom du parrain, je vais donner à Ngoné Diaw l'enveloppe de participation du parrain qui va vous remercier, s'élève à 300 000 francs. Maintenant, tonton Aziz Diop, représentant de Mme la maire, suñu yaay ma ngi djéggelu Madame Saw señora ma ngi djéggelu bu baax ci yow la waron djéké waxna saxo ma ngi len nuy bu baax di sante ay cadeau sante gërem la rek sante ak gërem ci taxaway bi nga xamné tay école bi nangul nako ko ba jël lu toll ni fin d'année ni mu réy ak année scolaire ni mu metté ñu tuddé ko ko ndax fi la jaar mom ak ay yeneeni moromam mu am ci contentement bu réy mbécté bu sañon rek dina té waye dafa am ci lu mu nekk dafa newul dafa tukki motax waye xalam xalatam lepp ngi fi motax bi mako waxe ma baye man limay def ak ñeneen ñu baye li ñi def ay xaritam ay andu jammam ay nitam basiru ndiayang fi mawdo gey dafa ñima jottalim legi yef ak wa and defar geengi new wa kanen ak ay jigeenam yep baye li ñi def ngir ñewal ko lu geengi new dafa rané suñu mebet suñu yitté donc moy cadeau yu ndaw yi di ñaanal xalé yi rek comme duggu nañ ci vacances. Ñu passé de très bonnes vacances, vacances yu neex noppaleku, mais aussi bir noppaleku bi buñu faté né école dina ubi wat ñuy de temps en temps ñuy réviser di sante gërëm parents yi parce que xalé nénañ fétu mi jangal do di len sante di len gërëm di len ñaanal di jéggelu ci kudda avec tangway bi ñu ñaan fén fétu jamm ak salam merci merci alfalé aussi na fayé choisi par hasard il a été excellent ici dans cette école. Voilà, allez aussi. Je vous dis que la fête est en reste vraiment. Du discours de la fête là. Merci. 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 Donc, vous dites que vous êtes bon. Gagnez-vous. Amenez-vous du col. Y'en a la fête. Merci. 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 Et à partir de 10 heures du matin, avec les filles. Donc, allez. Pour les cours de vacances qui auront lieu le 21 au 8 août, au 8 septembre. Oui, nous vous attendons avec. Je vais vous donner un peu de temps. Parce que le primaire 90 élèves, tour à tour, nous allons mettre.